yeux de compréhension, afin que nous voyions les choses merveilleuses de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions qu'il n'y ait personne qui rentre chez lui les mains vides au nom de Jésus-Christ. Fais de cette année pour tout le monde une année fructueuse, une année de progrès, une année de puissance, une année de monter jusqu'au lieu que tu as pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Que le bonheur et la joie soient dans chaque vie. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes tous les bienvenus à notre étude biblique de ce soir au nom de Jésus-Christ. Pour nous qui sommes ici au Nigeria et dans tous les pays d'Afrique et hors d'Afrique, et à tous ceux qui sont sur l'internet et partout dans le monde, je voudrais vous dire que nous sommes ici dans l'état de Ondo au Nigeria pour notre étude biblique au nom de Jésus-Christ. Et c'est un temps merveilleux d'être ici et vous devez prêter attention parce que ce dont nous parlons paraît être direct, paraît très simple. Cela paraît dire que voici ce qu'on connaît déjà. Mais je crois que le Seigneur révélera de profondes choses à tout le monde, même ce soir au nom de Jésus-Christ. Et dans notre série d'études bibliques, nous sommes maintenant en 1 Corinthiens chapitre 7. Nous allons voir du verset 1 jusqu'au verset 11. Mais je vais lire verset 1 et lire verset 2. Et ouvrez votre Bible. 1 Corinthiens 7, verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Le titre de ce soir est l'engagement des croyants aux préceptes inchangeables de Dieu dans le mariage. L'engagement des croyants aux préceptes inchangeables de Dieu dans le mariage. Laissez-moi prendre deux mots là-bas pour que vous compreniez ce dont nous parlons. Un mot là-bas, c'est inchangeable, immuable. Lorsqu'on pense à Dieu, il dit « Je suis Dieu, je ne change pas. » Et tout ce que Dieu commence, tout ce que Dieu a institué, tout ce que Dieu a mis en place, demeure immuable, inchangeable. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Avant le fondement, la création du monde, il était là depuis toute l'éternité et il demeure Dieu. Et qu'à cause de cela, quel que soit ce qu'il met en place, ce qu'il dit demeure intact, inchangeable. En particulier, les préceptes dans le mariage demeurent inchangeables. Non seulement ça, la puissance de sa majesté, cela demeure aussi inchangeable. Tout ce qui se rapporte à Dieu, toutes les fois que vous pensez de Dieu, vous dites que vous regardez sa puissance, la puissance de sa majesté, parce que cela se relie à Dieu, cela est inchangeable. Non seulement ça, les possibilités de sa manifestation, Dieu se manifeste lui-même. Et on nous dit que tout est possible avec Dieu. Dans le passé, présentement parlant et dans le futur, toutes ces possibilités sont inchangeables. Toutes les fois que vous pensez d'une affaire au sujet de Dieu, tout sujet qui se relie à Dieu,
demeure le même, demeure inchangeable et demeure immuable. Et le cas des prophéties de ces mystères, Dieu a des mystères. Et il nous a déclaré tout cela. Et c'est parce que cela se relie au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et non seulement le cas du mariage qui est inchangeable, ces mystères aussi sont inchangeables. Donc, comme vous parcourez votre Bible et vous lisez ces prophéties, ces proclamations, des paroles venant de Dieu, vous êtes très prudent. Vous ne les touchez pas. Vous ne les modifiez pas. Vous ne retranchez rien et vous n'ajoutez rien à cela. Également, les provisions du Messie. Il a envoyé Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur. En tant que Messie, il a fait des provisions. Les provisions qu'il avait à ce temps-là, les provisions qu'il a aujourd'hui, les provisions qu'il aura dans le futur. Toutes ces provisions du Messie demeurent inchangeables. Ce que je vous dis, c'est que nous considérons le mariage aujourd'hui, mais il faut bien comprendre que tout ce que Dieu a mis en place demeure inchangeable et demeure immuable. Également, les promesses dans son message. Toutes les fois que vous lisez la Bible, vous avez le message venant de Dieu. Il y a des promesses, il y a des préceptes. Et comme les préceptes demeurent inchangeables, de même, les promesses sont inchangeables. Les accomplissements de sa miséricorde, la manifestation de sa miséricorde. Il est un Dieu fidèle, miséricordieux. Parce qu'il est Dieu, sa miséricorde demeure la même. Je ne sais pas que les autres, dans une autre génération, ils ont connu la miséricorde de Dieu et notre génération aussi. Oui, les manifestations de sa miséricorde demeurent inchangeables. Et la proclamation au travers de ses messagers. Toutes les proclamations de ses messagers dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, jusqu'à ce jour-ci. Lorsqu'il fait une proclamation venant de ses messagers, tout cela demeure inchangeable. Et maintenant, les préceptes du mariage, les préceptes de Dieu dans le mariage demeurent également inchangeables. Il faut bien noter ceci. Il faut bien prendre note de ceci dans votre cœur, que toutes les fois que vous pensez de Dieu, ou bien vous dites quelque chose qui est relatif à Dieu, il ne faut pas dire que en ce temps-ci c'est un nouveau temps, ce temps est moderne, nous sommes dans une nouvelle génération dont les choses sont différentes, mais les choses demeurent les mêmes. Et que moi et Dieu, moi et le Père, nous ne changeons pas. Donc les enfants de Jacob, le peuple d'Israël, ne sont pas consumés. Donc parce que Dieu est Dieu, il est inchangeable. Alors il va préserver votre vie, il va préserver votre mariage, il va préserver votre famille. Et tout ce qu'il a déclaré au sujet de votre vie sera accompli au nom de Jésus-Christ. Maintenant, les préceptes dans le mariage. Nous voyons trois points ici aujourd'hui. Numéro un, l'institution inchangeable de Dieu. Dieu lui-même a institué le mariage. L'institution inchangeable de mariage de Dieu. Dieu a institué le mariage. Adam n'a pas demandé à Dieu. Et le mariage, cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas d'Adam plutôt. Le mariage ne vient pas de l'homme. Cela vient de Dieu. Parce que cela vient de Dieu lui-même. Cela demeure le même aujourd'hui. C'est pourquoi on a l'institution inchangeable de mariage de Dieu. Numéro 2, nous avons l'intimité gracieuse, non prétentieuse dans le mariage. C'est ainsi que Dieu l'a projeté.
il y aura l'intimité dans le mariage entre le mari et la femme. C'est quelque chose de non prétentieux, quelque chose de est dénué de toute hypocrisie. C'est quelque chose de transparent. C'est quelque chose de véritable. C'est quelque chose de fidèle. C'est quelque chose de satisfaisant. C'est quelque chose d'accomplissant. Et c'est quelque chose de gracieux. Dieu. L'intuition de Dieu et l'intention de Dieu, c'est que dans le mariage, qu'il y ait la grâce, qu'il y ait l'amour, qu'il y ait la compréhension, qu'il y ait une relation interdépendante entre l'homme et la femme. L'intimité gracieuse, non prétentieuse dans le mariage. Numéro 3. Les instructions incontestables de Dieu pour les mariés. Les instructions que Dieu a données au sujet du mariage, que personne ne peut contester, que personne ne peut altérer, que personne ne peut modifier, que personne ne peut sinon améliorer ça. Tout ce que Dieu a fait est parfait. Vous ne pouvez pas améliorer cela. Vous pourriez être intelligent, mais pourriez-vous comparer votre intelligence à celle du Dieu Tout-Puissant? Vous pourriez avoir lu tant de livres, mais pourriez-vous considérer tous ces auteurs que vous avez lus? Pourriez-vous les considérer au Dieu Tout-Puissant? Vous ne pouvez pas sinon améliorer ces instructions. Vous ne pouvez pas sinon changer ou bien contester ces instructions. Numéro 3 donc. Les instructions incontestables de Dieu pour les mariés. Numéro 1. Nous avons l'institution inchangeable de mariage de Dieu. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 et 2. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Verset 2. C'est dit toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ici, nous lisons dans 1 Corinthiens, c'est une affaire particulière à l'église de Corinthe, décrit à l'apôtre Paul. Et ce cas de mariage, mais comprenez, les gens à Rome ne devaient pas écrire, mais l'apôtre Paul leur avait donné l'institution du mariage. Comprenez, dans l'église d'Éphèse, ne devait pas écrire. Et le cas du mariage, voyez, il était inspiré par Dieu et sans aucune question, sans aucune interrogation, l'apôtre Paul a écrit au sujet du mariage à l'église d'Éphèse et il a mentionné d'autres partie de l'écriture. Il ne devait pas écrire que voici la parole, voici les normes du mariage selon la parole de Dieu. Mais ces gens ont écrit, et comme ils ont écrit, ils devaient leur donner des instructions inspirées par le Seigneur que ceci est la volonté de Dieu. Nous allons voir trois choses, comme on voit le premier point. Premier point, c'est l'objectif du mariage numéro 2, c'est la préparation pour le mariage numéro 3, c'est la permanence du mariage. Voilà le premier point ici, numéro 1 là-bas. Nous allons voir l'objectif du mariage. C'est dit au verset 2 là-bas, 1 Corinthiens 7, verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et c'est bien mentionné là-bas, l'objectif du mariage. Numéro 1, c'est de préserver la pureté dans l'église.
la pureté dans la communauté, la pureté dans le monde, d'éviter de pécher, d'éviter les œuvres de la chair, d'éviter l'immoralité, d'éviter le fait de vivre comme des animaux, que chacun ait sa femme, que chaque femme ait son mari. On va à Genèse chapitre 2, 18. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai. Voici la décision prise par Dieu. Il n'y a personne qui ait tordu la main de Dieu pour dire que je dois me marier, je dois me marier, je dois me marier. Dieu, dans son libre arbitre, Dieu, dans sa volonté absolue et parfaite, a dit: il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Moi, je lui ferai, c'est lui-même qui fait. C'est lui qui a fait Ève pour Adam depuis lors. C'est lui qui fait la femme pour le mari. Voilà le verset 24. C'est pourquoi. Ça veut dire que à cause de ce que Dieu a fait pour Adam, à cause de ce que Dieu a institué pour la première famille, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme. Comprenez, ceci ne parle pas d'Adam. Adam n'avait pas de père et n'avait pas de mère. Ceci ne fait pas référence à Ève. Ève n'avait pas de père, elle et Ève n'avait pas de mère. Ceci parle des générations, ceci parle de la postérité d'Adam qui viendra. Cela parle de toi, de moi, cela parle de tout le monde vivant aujourd'hui. C'est pourquoi l'homme quittera son père. Et cela parle de quiconque présentement qui a un père, une mère. Cela ne parle pas de Adam et Ève. Et si vous avez, que je le dise, puisque vous avez un père et puisque vous avez une mère, cela parle de vous. Alors, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et s'attacher là-bas veut dire s'unir. Le mot s'attacher là-bas veut dire les deux sont si unis que une séparation détruira les deux, l'un ou l'autre. Détruira un côté de l'un et un côté de l'autre. On peut voir l'objectif de Dieu. C'est pour que vous ayez la protection, que vous ayez l'aide, que vous ayez le secours, l'assistance, que vous ayez une aide. Ce n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Comme nous sommes arrivés à Genèse chapitre 1, verset 27. C'est dit, 27 dit: Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Numéro 1, l'homme était créé saint. Il était créé juste, sanctifié, ayant la nature de Dieu. La sanctification n'annule pas le mariage. La sainteté n'invalide pas le mariage. Les expériences chrétiennes n'annulent pas le mariage. Vous êtes pur, vous êtes parfait, vous êtes saint, vous êtes sanctifié, vous marchez dans la justice de Dieu. Cela ne supprime pas, n'annule pas le mariage. Dieu a créé l'homme à son image. Et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme un et la femme un. Un homme, une femme. L'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Le plan original de Dieu, l'objectif
originale de Dieu, c'est une femme à un homme. Un mari à une femme. C'est pourquoi, comme nous revenons à 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2, vous allez voir ici, et c'est dit, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Un homme, une femme, et que chaque femme ait son mari. Une femme, un mari. Vous comprenez? Cela parle des deux côtés. Si c'est mauvais pour une femme d'avoir deux maris et garder deux hommes à la maison et dire que voici mes maris au pluriel, alors tous vivent ensemble, tout le monde va se renfrogner. Mais comprenez, c'est un côté de la pièce. L'autre côté de la pièce est que un homme, une femme. Si la femme ne peut pas avoir deux maris, si la femme ne peut pas avoir trois, quatre, cinq maris ensemble là-bas, donc c'est mauvais pour l'homme d'avoir deux, trois, quatre, cinq femmes. Que soit la personne devant une église, que ce soit devant la vie profonde ou avant qu'une église existe. En Genèse 2, Dieu a fait une femme pour un seul homme. Et dit, c'est pourquoi. Alors cela doit continuer de cette manière. Je prie que vous-même, votre famille et votre famille collatérale étendue, que vous ne changiez pas la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et deuxième point là-bas, c'est la préparation pour le mariage. La préparation pour le mariage. Et toutes choses bonnes qu'on doit faire. Et le mariage est bon. La famille est bonne. Alors, il faut un projet, un plan. Il faut un plan. Il faut concevoir un projet. Il faut avoir un lieu, un endroit qu'on regarde. On doit avoir les buts à atteindre. Voyons Proverbe chapitre 18. Verset 22, la préparation pour le mariage. Parce que pour ceux qui ne sont pas mariés, si vous ne vous préparez pas, comment aurez-vous une bonne chose de la part du Seigneur? Même ceux qui sont déjà mariés, quelle vision avez-vous et quelle attente avez-vous? Vous devez avoir une bonne attente qui s'aligne avec l'attente de Dieu et vous êtes en mesure d'aller à la direction de Dieu dans votre famille et dans votre mariage. Voyons Proverbe chapitre 18, nous lisons le verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme, vous devez chercher avant de trouver. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et il vous sera ouvert. Donc, si vous trouvez une femme, donc vous l'avez cherchée et vous cherchez du Créateur. Vous cherchez de votre Rédempteur, vous cherchez de votre Père qui est dans les cieux. Qui d'entre vous, si votre fils, votre enfant, vous demandera du pain, lui donnera-t-il de la pierre s'il demande du poisson? Lui donnera-t-il du serpent? S'il demande un œuf, lui donnera-t-il des serpents? Si donc, méchant que vous êtes, vous savez comment donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste vous donnera-t-il de bonnes choses? Donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Vous trouvez parce que vous demandez, vous trouvez parce que vous cherchez. Vous recevez, vous obtenez la faveur de Dieu parce que vous cherchez et vous cherchez la face du Seigneur. On va au psaume
Psaume 37. Psaume chapitre 37, verset 4 dit: fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous vous préparez pour le mariage. Ce n'est pas au moment du mariage que vous allez commencer de prier. Vous n'avez pas prié pour le salut. Vous n'avez pas prié pour la repentance. Vous n'avez pas prié pour la sanctification. Vous n'avez pas prié pour faire la volonté de Dieu. Et soudain, alors vous commencez à prier. Prier avec ferveur. Et d'avoir un partenaire en prière. Pour avoir la victoire sur le péché, vous ne priez pas pour cela. Alors, vous ne faites pas de l'Éternel vos délices et vous ne priez pas pour être mis dans une bonne position dans votre relation avec Dieu. Regardez ceci. Faites de l'Éternel tes délices. Quel que soit ce qui réjouit le cœur de Dieu, il faut en faire vos délices. Il aime le salut, il faut en faire vos délices. Il veut votre sainteté, il faut en faire vos délices. Il veut la vie victorieuse, triomphante sur la tentation. Il faut en faire vos délices. Il veut que vous soyez dans la volonté de Dieu dans chaque domaine de votre vie. Il faut en faire vos délices. Et puis, il te donnera ce que ton cœur désire. Alors je prie que le Seigneur nous fasse faire de lui nos délices à tout moment, en toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Voilà le numéro 3 ici. Numéro 3, c'est la permanence du mariage. La façon dont Dieu a planifié le mariage pour le genre humain, c'est qu'il y ait une permanence. Comprenez encore. Nous parlons de l'institution inchangeable de mariage de Dieu. Et comme on voit Genèse chapitre 2, verset 24, c'est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Revenons à Adam et Ève. Dieu a donné Ève à Adam. Et lui-même a conduit à célébrer le mariage. Il a amené Ève à Adam et il les a unis. Et puis, vous savez ce qui est arrivé? Le chapitre suivant, Ève a donné le fruit interdit à Adam. Il a mangé. Ève a rétrogradé. Adam a rétrogradé. Oh, qu'allait-il faire maintenant? Et Dieu a dit, Adam, où es-tu? Mais j'ai entendu ta voix dans le jardin. Et puis j'ai eu peur parce que je suis nu. Mais qui te l'a dit que tu es nu? Ouais, tu sais quoi? La femme que tu m'as donnée m'a séduit, m'a trompé et m'a donné ce fruit-là. Et je l'ai mangé. Femme, pourquoi tu as fait cela? Que le serpent m'a séduite et je l'ai mangé. Ce que je dis, c'est que Dieu n'a pas dit que d'accord. Moi, je t'ai donné cette femme. Cette femme a fait ceci. Donc, ceci apporte la calamité sur le monde entier. Et cela va apporter le jugement, la malédiction sur le globe. Ève, je t'enlève, que je dissous le mariage. Non, Dieu n'a pas dissous ce mariage-là. Et si vous pensez à l'homme et à sa femme aujourd'hui, il n'y a rien qu'une femme puisse faire à son mari et que cette chose va à ce que Ève, que cette chose s'approche de ce que Ève a fait à
Adam. Et si Dieu n'a pas dissous ce mariage à l'époque-là, entre Adam et Ève, aujourd'hui, Dieu demeure le même. Dieu n'est pas dans l'affaire de dissoudre les mariages. Oui, parce que elle ne plaît pas bien à son mari, parce que la famille, la belle famille n'accepte pas la position de la femme, et aussi les enfants n'acceptent pas que la femme soit avec leur père. Donc les enfants disent que papa, nous dissolvons ce mariage. Vous ne pouvez pas faire cela. Dieu n'a pas fait cela. La belle famille ne peut pas faire cela parce que Dieu n'a pas fait ça. Donc, nous devons comprendre que ce que Dieu a joint ensemble, que personne ne le sépare. Vous comprenez bien, lorsque Jésus était venu dans ce monde et que les pharisiens avaient le problème dans leur famille. Pourquoi ils sont venus lui poser des questions captieuses? Un homme peut-il répudier sa femme pour une cause quelconque? Regardez ce que les femmes font. Donc, et regardez comment elles agissent. Elles-mêmes, notre attente dans le mariage n'est pas bien satisfaite. Jésus, tu es le maître, tu es l'enseignant. Que dis-tu? Est-ce qu'on peut répudier la femme pour quelque chose, une cause quelconque? Jésus a dit. Mais avez-vous lu qu'au commencement, chaque fois, il faut retourner au commencement, que celui qui les a fait, le Dieu qui les a créés, il les a fait hommes et femmes. Et puis il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera sa femme et sa mère. C'est pourquoi l'homme quittera plutôt son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare pas. La permanence du mariage. Je prie que Dieu lui-même nous donne le cœur afin de demeurer dans ce que Dieu a institué au nom de Jésus-Christ. Votre famille ne sera pas dispersée. Vous-même, vous n'allez pas disperser votre famille. Vous n'allez pas, sinon, amener des amis de dehors. Vous n'allez pas amener des membres de famille de dehors de venir détruire votre famille pour vous et chasser votre mari ou bien chasser votre femme pour vous au nom de Jésus-Christ. Les bénédictions de Dieu seront permanentes dans votre famille. Votre femme, la femme est une bonne chose et la femme est une faveur de la part de Dieu. Même Satan ne va pas ôter la faveur de Dieu, votre femme, votre mari, de vous, au nom de Jésus-Christ. Deuxième point ici maintenant. Deuxième point, nous voyons l'intimité gracieuse, non prétentieuse dans le mariage. On va au 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. La femme n'est pas une esclave. La femme n'est pas une colocataire. La femme n'est pas une voisine à l'homme. La femme n'est pas une amie. La femme n'est pas une partenaire cohabitance que je dis que voici ma place, que disant que voici mon bien, voici ma position et voici la limite où la femme peut rester. Non, c'est dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. D'autre part, c'est dit, et que la femme agisse de même envers son mari. Le mari n'est pas un colocataire. Le mari n'est pas l'un des amis de la femme. Le mari
n'est pas un colataire, un cohabitant, n'est pas un collègue, un couvrier. L'homme n'est pas seulement celui qui n'est pas là seulement pour le gagne-pain. Et puis, prendre soin de la famille, lui seul, vous êtes ensemble. La façon dont tu t'aimes, c'est de la même manière. Tu l'aimes. Donc, c'est dit au verset 4. Verset 4 dit, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Comprenez votre corps. C'est le bien le plus précieux que vous ayez. Vous prenez soin de ce corps. Vous aimeriez que le corps là soit en bonne santé, soit protégé de tout dommage, de tout dégât. Et le corps est plus important que la voiture. Votre corps est plus important que le bâtiment que vous avez. Le corps est plus important que toute chose physique, tangible, visible. Et si la femme n'a pas d'autorité, n'a pas de pouvoir, n'a pas de possession totale sur son propre corps, mais c'est le mari et les choses et les biens tangibles et les biens visibles, alors vous ne les prenez pas, vous ne les saisissez pas, vous n'avez pas un esprit possédant. Ça c'est pour moi, mon mari. Après tout, pourquoi tu as touché mon téléphone? Que cherches-tu? N'as-tu pas de téléphone? Pourquoi tu touches là ce qui m'appartient? Qu'est-ce que tu cherches? Mais tu n'as pas d'autorité sur ton corps et sur tes biens. Regardez la deuxième partie de ce verset. Et c'est dit, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Si tu n'as pas, sinon, la suprématie, la possession totale sur le corps et ces choses que nous regardons, le bâtiment, la voiture, les biens suscités, ceux-là, le diplôme, et puis mon salaire et mon compte bancaire, vous n'avez pas autorité sur aucune de ces choses. C'est comme vous n'avez pas autorité sur votre corps. Alors, dans un véritable mariage institué par Dieu, tout est ouvert. C'est pourquoi nous l'appelons l'intimité gracieuse, non prétentieuse dans le mariage. Verset 5 dit, ne vous privez point l'un de l'autre. Ne vous privez point l'un de l'autre. Comprenez cela? Si vous voyez le mot là, privez-vous, voyez, en anglais, il y a « defraud ». Quand on enlève « de », il y a « fraude », il y a le mot « fraud ». Si vous trichez votre mari, c'est la fraude. Si vous trichez votre femme, c'est la fraude. Ou bien, si vous faites quelque chose, si vous lisez dans le journal que cette personne a détourné sa société et vous secouez la tête, vous dites ah les gens de ce monde, que les gens de ce monde sont très mauvais. Alors pense à toi-même. Si tu as fraudé ta femme, n'es-tu pas de ce monde? Les gens de ce monde n'ont pas la grâce. Tu dis que tu as la grâce. Les gens de ce monde n'ont pas le salut. Toi tu dis que tu as le salut. Les gens de ce monde n'ont pas la Bible et n'ont pas les normes par lesquelles il faut marcher. Tu dis que tu en as, et les gens de ce monde, ils ne professent pas être rachetés, être profonds. Mais tu dis que tu es profond, cependant, tu fraudes ta femme, tu séduis ton mari. N'es-tu pas pire que, et c'est dit, ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Il dit, en tant que marié femme, si vous allez passer, si vous allez sinon observer un long temps
de jeûne et de prière, votre femme doit en être informée. Vous devez faire savoir à votre femme quand et pourquoi on fait cela. Vous ne dites pas que non. Ça, c'est spirituel. Vous ne dites pas que ce que ta main droite fait, que ta main gauche ne le sache pas. Déjà, l'écriture l'a tout élucidé que vous ne devez pas avoir une décision secrète, une décision personnelle, une décision protégée, que la femme ne sache pas ceci, que mon mari ne doit pas savoir ceci. Tu sais, ma soeur, vous avez un accord avec certaines soeurs hors de la famille. Et ces gens-là, ce sont eux qui disent ta vie. C'est ce que ces gens-là disent là, que nous allons jeûner. Et tu dis oui à ces gens-là. Et tu viens à la maison. Et puis tu ne manges pas. Ton mari dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas te le dire. Ceci, c'est pour moi. Ceci, c'est privé. Tu respectes ces femmes de dehors plus que ton mari. Alors, tu fraudes ton mari. Alors, tu prives ton mari. Tu pries ton mari. Mais c'est le mari qui est allé à une réunion. Et puis, ils ont tenu une réunion intime avec ces hommes de dehors. Et toute votre vie, alors, c'est décidé hors de la famille par ces gens-là. Dès que tu rentres à la maison, dès que tu te renfolles et tu agis comme... ceci, c'est une zone interdite. Et ta femme sait que si tu ne veux pas parler, elle sait. Mais elle dit, mais mon mari, mais je sais que tu ne veux pas parler. Mais pourrais-je te poser une question? Mais tu sais que je ne veux pas parler. Mais pourquoi tu veux poser une question? Mais tu veux priver ta femme de quelque chose. Mais tu vis à telle enseigne que la grâce de Dieu modère tout ce que tu fais. La grâce de Dieu t'aide à pénétrer dans tous les domaines de la vie. Et il n'y a pas de cachette entre le mari et sa femme. Si tu fais cela, aujourd'hui, c'est le jour de la repentance. Aujourd'hui, c'est le jour où tu dois invoquer le nom du Seigneur. Et quel que soit ce qui te fait de priver ton mari et ta femme de quelque chose, ce qui te pousse à te plonger dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans cette attitude de mot, dans cette attitude de méchanceté contre ton mari ou ta femme, tu dois prier Dieu que le Seigneur brise cela. Sinon, mon frère, tu peux rater le ciel. Ou bien ma soeur, tu peux rater le ciel. Sur la base que tu continues de priver ton partenaire de ce qu'il faut que... Et ta connaissance biblique n'affecte pas ta Bible. Et tout ce que tu connais de la Bible n'influence pas ta vie, ne transforme pas ta vie. Tu dois accepter la parole de Dieu que tu étudies. Tu dois amener cela à chaque aspect de ta vie. Et c'est dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble. Il y a des gens qui se séduisent. Ils vont dire à leur mari, mon mari, comme je suis maintenant, je ne m'intéresse pas à ceci, à cela encore. Et que parler ensemble, moi je ne veux plus. Je ne m'intéresse pas encore à une relation intime. Tu dois comprendre que voici qui je suis maintenant, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dieu qui nous a créés, Dieu qui nous a donné sa parole, a dit, venez ensemble encore pour de peur que Satan ne vous tente pas votre incontinence. Je prie que nous soyons obéissants à la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas utiliser aucune excuse pour renoncer à la parole de Dieu, pour désobéir à la parole de Dieu, pour priver comme
on va bien sans notre femme, qu'on va bien sans notre mari. Ça, c'est une cachette. Et Satan sera en mesure de passer par cette fissure de notre vie. Je prie qu'il n'y ait pas de fissure dans votre famille. Où Satan, les lézards vont s'infiltrer au travers de cette fissure à votre famille au nom de Jésus-Christ. Une fois que vous voyez une fissure dans le monde, dans le mur de votre maison, au lieu de rentrer, sortir, vous laissez la fissure là. Vous savez que ça, c'est un lézard satanique qui peut passer par la fissure là. Donc, vous ne faites pas bien. Donc, vous allez passer le temps. Alors, il y a certains, ils ne prennent même pas aucun temps. Chaque fois, ils marchent, ils prennent leur Bible. Je vais prêcher. Mon frère, c'est bon de prêcher. Regardez la fissure là dans votre famille. Et que je vais à la veillée. Ma soeur, la veillée est bonne. Mais tu vois, ton mari te tolère seulement. Regarde la fissure là dans ton mur. Et les lézards, ils passent. Et bon de choses. Alors, bon nombre de choses, ils passent. Je prie que Dieu vous rende sage. La première chose, que la fissure là soit réparée après l'avoir réparée. Alors, toute autre chose que vous pouvez faire après que les fissures sont réparées et les lézards sont chassés de la famille, la maison est propre et nette et protégée et préservée. Alors, partout où vous voulez aller, avec l'approbation de votre mari, avec l'accord de votre femme, allez-y. Le Seigneur vous prospérera votre voie. L'intimité gracieuse non prétentieuse dans le mariage. Numéro 1. Le dévouement réciproque dans le mariage. Deux. Le discernement requis avec maturité. Trois. La décision responsable pour le mariage. Numéro 1. Le dévouement réciproque dans le mariage. C'est ce que nous venons de lire. Que nous usons de réciprocité. Comme tu veux que ton mari te respecte, te reconnaisse, prenne soin de toi, que ton mari sache que tu es là, pas seulement de te prendre pour un colocataire ou bien une colocataire, de même que tu agis envers le mari, tu le respectes, tu l'aimes. On va aux Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Il n'y a pas d'exception ici. Tu ne connais pas ma femme. Tu ne connais pas son attitude. Tu ne connais pas son comportement. Et elle ne mérite pas l'amour. Elle ne mérite pas aucune attention. Alors, tu dois venir et vivre dans notre maison seulement pour un jour. Et tu vas reconnaître, tu vas savoir pourquoi je ne peux pas obéir à Dieu. Ah bon? Tu veux punir Dieu pour l'offense. Pour l'offense de ta femme. Tu veux déconsidérer Dieu pour la désobéissance de ta femme. Le Seigneur dit que je t'ai créé, je t'ai fait. Et toi, je suis ton créateur, je suis ton rédempteur, c'est moi qui protège et préserve ta vie. Et dit ici que du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Dieu a parlé. Et parce que Dieu a parlé, alors nous n'avons pas de choix. Nous ne pouvons pas dire que, d'accord, Dieu a dit que j'aime. Donc, que je regarde si celle-ci mérite l'obéissance, si ceci mérite une obéissance à Dieu. Vous devez obéir à Dieu. Quel que soit ce qui se passe à la maison, quel que soit le défi, c'est votre femme. C'est comme Adam a continué d'aimer Ève. Est-ce que vous vous rappelez bien? Après la chute, même après qu'il était chassé du Jourdain,
je crois que quelqu'un, si quelqu'un peut justifier son amertume contre sa femme, ce serait Adam qui devait le faire. Que Ève, regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as causé. Ce beau jardin, notre maison là-bas, que Dieu nous a donné. Maintenant, nous sommes chassés de là. Ne me touche pas. Ne t'approche pas de moi. Je ne veux même rien dire de toi. Je vais vivre sans toi. C'est pitoyable que Dieu n'ait pas créé une autre femme. Sinon, je me serais marié à une autre femme. Mais s'il n'y a pas de femme, vas-y. Va-t'en. Moi, je vais me marier à une autre femme. Après être chassé, il a dit, voici Ève, la mère de tous les êtres humains. C'est le respect. C'est l'honneur. Vous n'allez pas sinon. Vous dressez contre votre femme, quel que soit ce qui s'est passé. Cette nouvelle année, votre famille sera une nouvelle famille. Une nouvelle attitude, une nouvelle disposition, une nouvelle action. Et votre vie sera complètement nouvelle au nom de Jésus-Christ. Et vous savez, Ève, mais ne s'est pas retirée. Au fait, je suis désolé de ce qui s'est passé. Et à cause de ce que je t'ai fait, je n'étais pas aussi intelligent que je dois l'être. Et je n'étais pas aussi sage que je croyais l'être. Et je ne suis pas une bonne compagne, mais je peux voir que je t'ai fait plonger dans le problème. On nous a fait chasser maintenant. Non, je ne vais plus. Sinon, dis quelque chose encore, Adam. Parce que j'ai vu ce que j'ai fait. Elle n'a pas agi de cette manière. Ils ont continué ensemble. Et le Seigneur a pris soin d'eux. Et le Seigneur leur a donné des peaux pour ouverture. La femme de peau couverture, la femme ne s'est pas retirée. Peut-être vous avez commis une erreur. Il faut sinon demander pardon. Mais je suis vraiment désolé au sujet de ceci. De ce qui s'est passé, donc, je demande pardon. Donc je vais corriger les choses. Et je ne vais plus permettre à cela de me faire retirer et me faire agir comme il n'y a rien que je puisse contribuer encore au mariage. C'est ce que le Seigneur nous dit. Que nous venons avec cet aspect de réciprocité, comme celui-ci apprécie l'autre, comme celui-ci pardonne à l'autre, comme celui-ci fléchit ses genoux à l'autre, de même l'autre personne fait cela. Et ça, c'est cet amour réciproque, ce dévouement réciproque qui fera que vous continuez en tant que mari et femme. Il y aura la permanence dans votre mariage au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est dit que du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme, voyez, regardez la dernière partie, et que la femme respecte son mari. Je prie que ne soyons pas des lecteurs de la Bible, des apprenants de la Bible, des étudiants de la Bible, mais que nous pratiquions ce que nous apprenons, ce que nous entendons au nom de Jésus-Christ. Et que la vie profonde, pour laquelle les gens nous connaissent, qu'ils voient cette compréhension approfondie, cette pratique approfondie de la parole dans la vie de chacun de nous, dans chacune de nos familles et dans chacun de nos membres au nom de Jésus-Christ. Allons à 1 Pierre chapitre 3, verset 1. 1 Pierre 3, verset 1 dit: femmes, soyez de même soumis à vos maris. Voyez ceci. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, cela parle maintenant d'une femme qui s'est mariée à un mari incroyant. Ce qui s'est passé, c'est que vous êtes marié avant de devenir chrétien, une sœur chrétienne, mais votre mari est toujours inconverti. Et c'est dit,
Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Et par le comportement, par le caractère, par la conduite de la femme. Il y a des femmes chrétiennes qui se croient qu'elles sont libres d'obéir à la parole de Dieu par rapport au mariage, parce que ils disent que ouais, on parle aux maris chrétiens et femmes, aux maris chrétiens et aux femmes chrétiennes, mais pour moi, mon cas, mon mari est encore dans les ténèbres, mon mari ne croit pas l'évangile, que moi, mon mari n'est pas sauvé, parce que mon mari n'est pas sauvé, comment je peux l'écouter? Je lis la Bible, lui ne connaît pas la Bible, alors je viens à l'église, lui ne respecte pas l'église, j'écoute mon pasteur, mon père dans le Seigneur, lui ne respecte pas mon père dans le Seigneur. Regardez ceci. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Maintenant, il y a beaucoup de choses que le mari va demander. Va demander à cuisiner, à faire le ménage, à prendre soin des enfants, à lui donner l'attention, à prendre soin de lui. Mais cela ne contredit pas la Bible. Vous ne pouvez pas dire que je suis chrétienne, je suis croyante, je suis ouvrier dans l'église, ouvrière dans l'église. À cause de cela, je ne peux pas faire ceci, cela, cela. Donc, si tu ne peux pas attendre jusqu'à ce que je vienne, ça c'est ton affaire, c'est ton problème. Si tu me déranges et tu me persécutes à cause de ceci, alors il faut persévérer. Donc, moi j'ai décidé que je n'irai pas en enfer à cause d'un autre homme. Tu pourrais aller en enfer, pas à cause d'un autre homme, mais à cause de ta désobéissance à la parole de Dieu. Tu dois comprendre que si tu veux que ton mari soit sauvé, ton caractère, et ta conduite, ta disposition, ton obéissance à la Bible, et le fait que tu obéisses à ton mari, des choses qui ne contredisent pas la parole de Dieu, alors tu dois réellement être soumise à ton mari. Et c'est dit que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ben, ces croyants qui n'obéissent pas à la Bible, c'est dit qu'ils soient gagnés sans parole. C'est votre conduite qui va le gagner, c'est votre comportement qui va le gagner, et c'est votre soumission qui va le gagner. L'homme va dire que, quoique je n'agis pas bien envers cette femme, mais elle est toujours douce, elle prend soin de moi, mon souci dans son cœur, et même si je ne veux pas lui être bon, même l'homme, la femme l'est soumise, c'est ce qui va l'amener au Seigneur. Je prie que votre vie gagne votre mari au nom de Jésus-Christ. La même chose avec vos enfants. Vos enfants sont allés à l'école et maintenant ils se comportent de façon désordonnée, scandaleuse. Vous dites que regardez ces enfants-là, je n'irai pas en enfer à cause de ces enfants, et tu les négliges. Et tu les abandonnes. Et tu, église, je suis ouvrier, je suis dirigeant, je suis gagneur d'âme, je suis membre de l'église. Je ne vais pas perdre ma place, ma position dans l'église. Tu ne peux même pas fléchir, tu ne peux même pas t'adapter à rien. Si le pasteur ne me voit pas, c'est comme il n'y a personne qui soit dans l'église. Le pasteur va se concentrer sur moi. Je dois être là, même si je perds mes enfants, même si je perds mon mari. Ce n'est pas sage. C'est votre comportement, c'est votre caractère, c'est votre disposition qui gagnera votre enfant pour le Seigneur. Je prie que Dieu vous rende sage au nom de Jésus-Christ. Verset 7.
nous dit, Marie, oui, ce sont les deux côtés, c'est réciproque. Il a parlé aux femmes, maintenant il s'adresse aux maris. Marie, montrez à votre tour de la sagesse. Marie, montrez à votre tour de la sagesse. Quel type de sagesse? La sagesse de mathématiques, la sagesse de la science médicale, ou bien la sagesse de la chimie, ou bien la sagesse de des sciences politiques. Non, c'est la sagesse envers qui la femme est, envers la faiblesse de la femme, la pensée de la femme, la disposition de la femme. Alors, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Oui, la connaissance, la sagesse envers ce qui blesse la femme, la faiblesse envers ce qui va désorganiser la femme. Vous, Marie, ne soyez pas trop spirituel, ne soyez pas trop approfondi dans l'étude de la parole de Dieu, que vous ne faites que étudier la Bible, vous fourrez votre nez dans la Bible, quelque chose que votre main, votre femme fait, elle pleure. Pourquoi elle pleure? Si elle a la foi en Dieu, va-t-elle pleurer? Pourquoi elle pleure? Si elle comprend la Bible, est-ce qu'elle va pleurer? Pourquoi elle pleure? Si elle comprend que je suis totalement engagé, consacré, je lui ai dit avant, même notre mariage, je lui ai dit que je suis consacré à la Bible et à la parole de Dieu, je suis en voie vers le ciel, quel est son problème? Ça, ce n'est pas la connaissance. Ce n'est pas sage. C'est dit, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les. Je vois beaucoup de maris, ils professent être sauvés, sanctifiés. Même devant leurs enfants, ils n'honorent pas leurs femmes. Même devant les étrangers, ils n'honorent pas leurs femmes. Même devant la belle famille, il n'honore pas la femme. Même devant les amis de la femme, il n'honore pas la femme. Et ils nous disent que ils sont sauvés, ils nous disent que ils sont nés de nouveau, ils nous disent que ils ont un niveau supérieur de la sanctification. Mais la sanctification va changer notre nature, va changer notre disposition. Et c'est dit ici. Et Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous allez honorer votre femme. Les gens sauront, et les proches sauront, que vous, ils vont dire que, ah, l'homme là, vous n'allez jamais insulter sa femme devant lui, parce qu'il honore sa femme, parce qu'il respecte sa femme et n'aime pas à blaguer avec la personnalité de la femme. Ce n'est pas quelqu'un de dehors qui va changer votre disposition envers votre femme. Pourquoi ta femme s'habille comme ça? Pourquoi ta femme est ceci et cela? Ce n'est pas leur affaire. Il ne doit pas te faire déshonorer ta femme. Et c'est dit comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Afin que votre prière, votre jeûne, votre veille, afin que votre consécration, afin que vos activités, aujourd'hui vous êtes là-bas, vous êtes allé prier, demain vous êtes allé sur l'autre plateforme, vous priez avec les autres. Si vous avez un foyer brisé, si vous avez une femme triste à la maison, chagrinée à la maison, toutes ces prières sur ces plateformes seront invalidées. Il faut rectifier, corriger ce qui va mal à la maison. Et vos prières ne seront pas empêchées au nom de Jésus-Christ. Je vais au deuxième point ici, deuxième point. Là-bas, c'est le discernement requis avec maturité. Le discernement requis avec maturité. Le discernement requis avec maturité. Allons à 1 Corinthiens 7, nous lisons le verset 6.
Je dis cela, par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Vous savez, chaque parole de Dieu est donnée par inspiration de Dieu. Et lorsque l'apôtre Paul dira quelque chose qui n'est pas ordonné par Dieu, qui n'est pas institué par Dieu et qui n'est pas mis en place par Dieu, le Seigneur le fait dire, dis-leur que ce n'est pas mon commandement, dis-leur, ceci est ton commandement, dis-leur que tu es un homme, tu es un ministre, tu n'es pas Dieu, ceci c'est ce que Dieu a dit, dis-leur que ce que tu dis, ce que tu dis ici, c'est parce que Dieu a dit, c'est ce que toi tu dis. Ce serait merveilleux si les prédicateurs feront comme ça. Et ceux qui disent, qui ne sont pas dans la parole de Dieu, s'ils vont dire aux gens que ceci-là, c'est intouchable, ça c'est la parole de Dieu, ça c'est la pensée de Dieu, et ça c'est l'institution de Dieu, mais ceci maintenant ici-là, c'est ce que je pense. Alors qu'on le sache, qu'on sache que c'est ce que tu penses, qu'on sache que ceci n'est pas exactement ce que le Seigneur dit. Donc, il a dit, je dis cela par condescendance, c'est-à-dire par permission, je n'en fais pas un ordre. Verset 7, je voudrais que, voici ma préférence, ce n'est pas le précepte de Dieu, c'est mon précepte. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. C'est ma préférence, ce n'est pas l'ordre de Dieu. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et verset 8 dit, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis, ce n'est pas Dieu, je dis aux mariés, je dis à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Dans le verset 9, dit, mais s'il manque de continence, il ne faut pas dire que je suis Paul et que vous perdiez votre âme, il ne faut pas dire que je vais vivre comme l'apôtre Paul. Et puis, tu rates le ciel. Mais, c'est dit, mais s'il manque de continence, qu'il se marie. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Ça, c'est le discernement requis avec maturité. Que on ne suit aucun prédicateur aveuglément. On ne suit quelqu'un qui s'appelle prophète, apôtre, qui s'appelle évangéliste international, quelqu'un qui s'appelle le grand pasteur, celui qui s'appelle l'enseignant biblique, un docteur, théologien. Comprenez lorsqu'il déclare la parole, comprenez lorsqu'il dit quelque chose de privé et personnel, alors il faut avoir le discernement. Troisième partie ici, c'est la décision responsable pour le mariage. Mon frère, quelle soit la décision que vous preniez, vous en êtes responsable. Quel que soit ce qui sort de cette décision-là, alors cela sera ce sera comme la causalité. Vous moissonnez de ce que vous avez semé. Quelle que soit la décision que vous preniez, ce sera vous qui porterez les conséquences, les répercussions. C'est pourquoi c'est dit en 1 Corinthiens 7, verset 9. Mais s'il manque de continence, il ne faut pas prétendre, mais s'il manque de continence, si l'après-midi vous courez par-ci, par-là, peut-être vous êtes veuve, et puis les gens disent que, nous louons Dieu pour tel frère, nous louons Dieu pour tel pasteur, peut-être vous êtes veuve,
depuis que sa femme est morte, elle est allée à la gloire. L'homme là redouble d'efforts. L'homme là est fort. L'homme là est vraiment bon. L'homme là est fervent. Il évangélise. Il va par-ci, par-là. Mais il ne sait pas ce que vous traversez au-dedans de vous-même. Donc, vous essayez de plaire aux hommes, mais vous menez une vie d'échec à l'intérieur. C'est pourquoi c'est dit, mais s'il manque de continence, qui se marie, vous êtes une veuve en tant qu'une femme. Vous dites que à tous les gens que je vois dans notre église, après la mort de leur mari, même si ces gens sont à 40, si elles sont à 40, les femmes là demeurent-elles? Alors si je parle à quelques-unes sœurs, comment tu sens que faut pas en parler? Je suis marié à Jésus, je suis marié à mon Seigneur, et c'est une pure hypocrisie. Lorsque vous êtes toute seule, il y a cette solitude, il y a ce cri en toi, que dois-je faire maintenant? Tu ne t'aides pas, la décision que tu as prise n'est pas la meilleure pour vous. C'est parce que c'est ce que les gens pensent, ce que les gens croient. Si je dis que je prie pour la volonté de Dieu maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a rien qui va se produire. Vous allez mener votre vie. Vous prenez la décision pour vous-même. Vous ne suivez pas ce que les gens disent. Ils ne vont pas vous amener au ciel. Toutes les bonnes opinions des gens sur votre vie ne vont pas vous amener au ciel. C'est votre vie privée. C'est votre vie victorieuse qui vous fera aller au ciel au dernier jour. C'est pourquoi c'est dit, mais s'il manque de continence, qu'il se marie au lieu de faire des choses insensées, des choses illicites, des choses iniques dans la maison, dans le privé, tu viens, oh Dieu, pardonne-moi, et puis tu en sors, et tu mènes une vie d'échec. Et si Jésus vient en un pareil moment, où allez-vous passer l'éternité? Donc, mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Pourriez-vous répéter avec moi? Car il vaut mieux se marier que de répéter. Encore répéter cela. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Regardez la personne à côté de vous pour lui dire ça. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Regardez à l'autre côté encore pour dire à l'autre personne. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Regardez-moi ici et dites-le pour vous-même. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Je prie que dans notre vie chrétienne, que nous ne soyons pas hypocrites, que nous menions la vie transparente. Lorsqu'on est de nouveau, on n'est pas né de nouveau à cause de tel pasteur, à cause de tel frère, ou même à cause de telle sœur. Vous avez pris une décision personnelle. Vous voici aujourd'hui que cette décision personnelle saisisse votre vie et que vous vous présentiez au Seigneur. Alors ne faites rien à cause de cette personne, menez votre vie de façon à être approuvé par Dieu, et à tout moment que vous devez aller au ciel avec le Seigneur, vous irez sur l'autoroute sans être empêché au nom de Jésus Christ. Venons maintenant au troisième point maintenant, nous voyons les instructions incontestables de Dieu pour les mariés. 1 Corinthiens 7, verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Vous comprenez? L'apôtre Paul dit, je dis ceci maintenant, mais ceci n'est pas une opinion personnelle. Voici le commandement du Seigneur. Il dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. C'est le Seigneur. Voici un commandement. Voici sa parole. Et dit qu'il ne donne aucune excuse. Je sais ce que mes yeux voient ici.
Je sais ce que je traverse là-bas. Je connais les défis là-bas. Que personne ne te dise que. Et puis, les gens prennent, les gens laissent les décisions de leur vie aux autres. Et disent que, ouais, oui, je ne t'ordonne pas de faire cela ou pas. Mais si je suis, ou bien si j'étais à ta place, je ferais ceci. Si j'étais à ta place, voici, si je suis à ta place, voici ce que je ferai. Ça, c'est le commandement d'un homme, que si je suis à ta place, voici ce que je ferai. Mais maintenant, le Seigneur dit que la femme ne se sépare point de son mari. Verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme, et que le mari ne plie pas ses bagages lorsque la femme n'est pas là, et puis qu'il ne ferme pas la porte, et qu'il dise au propriétaire, on n'est plus là, moi je ne vais plus payer, de loyer, moi je m'en vais. La femme revient à la maison, la porte est fermée. Et que le mari ne répudie point sa femme. Le Seigneur veut qu'on demeure ensemble. Numéro 1, on a le commandement irréversible, divinement donné du passé. 2, le commandement irrévocable, divinement protégé jusqu'à présent. Numéro 3, le commandement irréfutable, divinement donné pour la postérité. Je prie que ce que Dieu nous a donné pour la postérité soit préservé dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, le commandement irréversible, divinement donné du passé. Et c'est dit ici, au verset 10. Oh, c'est dit ici au verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Fais, sœur, si tu es enfant de Dieu, tu ne vas pas dire, je me connais. Dès que je dis bonne nuit, je ne dis plus bonsoir. Dès que je dis que je suis parti, que je suis partant, tout le monde sait que je suis parti. Tout le monde sait que dès que je décide de faire quelque chose, avant de parler, c'est ça. Hein? Moi, je regarde seulement. Je me tais. Dès que je dis, c'est fini, c'est fini. Ouais. Mais tu pourrais finir tes possibilités d'aller au ciel comme ça. Hein? Faut pas prendre une décision pour dire que je me connais. Je connais ma pensée. Je dis bonsoir. Je dis bonne nuit. Je ne dis plus bonsoir. Il faut révoquer cela. Que la grâce de Dieu vienne sur ta vie. Et que la parole de Dieu transforme ta vie. Et c'est dit que la femme ne se sépare point de son mari. Je prie que Dieu vous donne la grâce pour attendrir, pour ramollir, pour revenir en bas, pour dire, Seigneur, qui suis-je? Que ta volonté soit faite. Vous allez faire la volonté de Dieu au nom de Jésus-Christ. Voilà le numéro 2 ici. Et c'est le commandement irrévocable, divinement protégé jusqu'à présent. Voilà la première partie du chapitre 7, verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Comme tu as quitté, si tu as quitté, maintenant tu te sens, je ne peux plus prendre un autre mari, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et je ne veux pas, sinon supplier l'homme là. Comment tu l'appelles? C'est l'orgueil. Je ne veux pas dire à l'homme là que je suis désolé. Comment tu appelles cela? Ça, c'est l'orgueil. Je ne vais pas sinon prendre encore mes effets.
dit que je suis de retour. C'est quoi? C'est l'orgueil. Alors, tu vois ce qu'on appelle, tu vas commencer à passer de gauche à droite, tu envoies des gens. Il ne faut pas dire que je t'ai envoyé, va lui demander, est-ce que tu ne demandes pas ta femme? Pourquoi tu ne demandes pas ta femme? Pourquoi ne pas te repentir, aller monter l'humilité? S'il faut s'agenouiller, va t'agenouiller pour dire que vraiment, je suis désolé. Vraiment, j'ai fait l'erreur, j'ai commis l'erreur. Et puis, vous réconciliez avec Dieu, vous réconciliez avec les gens que vous avez blessés. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Et je prie que cette humilité, que cette douceur, que ce dévouement à la parole de Dieu et cette obéissance à la parole de Dieu, que le Seigneur donne cela à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Numéro 3 maintenant, c'est le commandement irréfutable divinement donné pour la postérité. On va à 1 Corinthiens chapitre 7, verset 11, deuxième partie. Et que le mari ne répudie point sa femme. Et que le mari ne répudie point sa femme. Frères et sœurs, plusieurs personnes ont tendance à se comporter comme des gens dans leur village. Peut-être dans leur village, les hommes sont militants, sont des gens agressifs. Et les gens utilisent la main de fer sur leurs femmes. Ils battent leurs femmes. Et parfois, ils vont même rendre la femme nue. C'est ce qu'ils font au village. Et certains, alors, ont grandi avec ce concept de leur village ou bien dans leur famille. La famille proche de la famille, ils savent que comment le vieil homme maltraite la vieille femme. Ils vont saisir les femmes avec une main de fer. On doit aller voir les vieux pour traiter le cas. Vous êtes maintenant croyant, enfant de Dieu, un peu de choses, la nourriture n'est pas prête à temps, ouais, mes habits ne sont pas repassés, je t'ai dit que je n'ai pas telle nourriture, et tu continues de me préparer ce que tu veux, va manger cela, moi je ne vais pas manger cela, oh je suis vraiment désolé, mon mari, quelle affaire de dire que tu es désolé, c'est ce que tu fais, je vais t'enseigner une leçon, tu dois sinon plier tes bagages avant que je ne vienne, si tu ne veux pas que l'inattendu arrive, si tu ne veux pas que ton père vienne prendre ton cadavre dans ce lieu, plie tes bagages et quitte avant que je ne revienne. C'est quoi? Où est le salut dont nous parlons? Où est la sanctification que nous clamons très fort? Où est la vie profonde dont tu parles? Où est la Bible que tu dis que tu portes? Voici la parole de Dieu. Et je prie que la grâce pour obéir à la parole de Dieu, la grâce pour demeurer selon la parole de Dieu, soit accordée à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. D'accord? Que Dieu me l'accorde. Je dis que Dieu me l'accorde. Vous serez un modèle en tant que femme. Vous serez un modèle en tant que mari. Vous serez modèle en tant que famille. Et les gens de dehors ne vont pas venir régler les affaires de querelle au nom de Jésus-Christ. Lorsque les gens que vous croyez que sont des croyants superficiels et qui viennent pour régler les dissentiments des gens de la vie profonde, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le Seigneur va nous aider. Le Seigneur va vous aider. Et que votre cœur, votre famille, vos enfants, votre comportement et tout ce qui concerne votre famille sera selon l'enseignement de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Le mariage est inchangeable. Votre miracle est inchangeable. Votre miséricorde est inchangeable. Vos prières sont inchangeables. Votre joie est inchangeable.
Et ce nouvel an, quelque chose de nouveau dans chaque famille, quelque chose de nouveau dans chaque vie, au nom de Jésus-Christ. Là où vous tolérez les autres, vous tolérez l'un l'autre et vous bricolez l'un l'autre. Cette année, il n'y a pas de bricolage. Quelque chose de nouveau, quelque chose de grand, quelque chose de gracieux, quelque chose d'enviable. Puisse le Seigneur l'accorder à chacun, à chaque famille, au nom de Jésus-Christ. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes prêts? Une nouvelle vie? Je dis, êtes-vous prêts? Une nouvelle puissance? Je dis, êtes-vous prêts? Une nouvelle percée? Je dis, êtes-vous prêts? Un nouvel amour? Je dis, êtes-vous prêts? Tenez-vous debout et ouvrez la bouche et parlez au Seigneur dans la prière. Tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons entendu, amenons cela au Seigneur dans la prière. Que nos familles soient nouvelles cette année. Faut pas exalter vos idées par-dessus de la parole de Dieu. Faut pas exalter vos décisions par-dessus la parole de Dieu. Faut pas exalter votre opinion personnelle privée au-dessus de la parole de Dieu. Que Dieu soit Dieu. Il est inchangeable. Que Dieu soit Dieu. Il est incontestable. Que Dieu soit Dieu. Demeurer inamovible, inchangeable. Il dit, je suis Dieu, je ne change pas. Et Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous avez un cœur endurci, il faut en parler au Seigneur. Il vous faut un changement. Il vous faut une transformation. Si vous traitez les familles avec des mains de fer, priez. Que le Seigneur brise cette main de fer. Ce cœur endurci, cette brutalité dans votre disposition, ce comportement rigide, que le Seigneur brise cela et détruit cela. Ayez l'évidence d'un véritable salut. Le salut nous adoucit. Le salut nous rend bon. Le salut nous rend gracieux. Le salut nous fait marcher selon la parole de Dieu. Le salut nous fait révoquer le style de vie négatif que nous menions. Le salut nous fait abandonner les attitudes traditionnelles, les comportements traditionnels et le style de vie au village. Le salut nous fait abandonner tous ces comportements passés du village et venir à une nouvelle vie en Christ. Si la nouvelle vie n'est pas là, il n'y a pas de salut là-bas. Si le cœur doux n'est pas là, le salut
n'est pas là. Si l'oppression est là dans la famille, s'il y a la privation, la fraude dans la famille, si l'hypocrisie est là dans la famille, si l'immoralité est là en cachette dans la famille, il n'y a pas de salut là-bas. Parlez au Seigneur. Repentez-vous. Le mari ne peut pas se repentir pour sa femme. Repentez-vous. Repentez-vous vous-même. La femme ne peut pas se repentir pour son mari. Repentez-vous vous-même. Revenez en toute humilité. Revenez à la parole de Dieu. Ne passez pas un autre jour, une autre nuit dans une désobéissance délibérée. Faut pas continuer de dire que ça c'est ma nature, dans ma tribu. Le salut change la nature de la tribu. C'est sa nature, c'est notre nature dans notre famille. Le salut change la nature dans la famille. Parlez au Seigneur de vous faire revenir à l'obéissance à sa parole. Que vous soyez obéissant à sa vérité. Vous ne méditez pas, mais plutôt vous priez. Vous n'êtes pas en train de faire une méditation, vous n'êtes pas en train de penser à ce que l'homme-là vous a fait. Vous n'êtes pas un ange, que l'homme-là, il est maintenant un diable. Vous avez votre rôle à jouer, vous avez fait aussi pour vous aussi. Repentez-vous de votre côté. Votre femme n'est pas un diable et vous là vous êtes un ange, ce n'est pas comme ça. Repentez-vous de vos méfaits et que Dieu soit Dieu. Que la grâce de Dieu remplisse votre cœur. Que la puissance de Dieu transforme votre vie. Que le sang de Jésus purifie et lave toute cette haine et cette amertume. Toutes ces décisions prises, des décisions orchestrées par le diable. Des décisions données par Satan, disant que je ne vais pas supplier, je ne vais pas demander pardon, je ne vais jamais, je ne vais rien corriger. Cela est du diable. Le diable fait cela pour t'emballer et t'amener en enfer. Ne permettez pas à Satan de vous aveugler. Pas d'hypocrisie maintenant. Pas de dissimulation.
Il n'y a pas moyen de cacher quelque chose maintenant. Réconciliez-vous. Repentez-vous. Renouvelez votre relation. Et toute autre chose va se normaliser dans votre vie personnelle et dans votre famille. Vous faites de l'Éternel vos délices. Et le Seigneur lui-même fera de vous ses délices et vous accordera ce que votre cœur désire. Maintenant, il faut décider que dans ce nouvel an, que votre vie soit nouvelle, votre relation sera renouvelée, votre comportement sera nouveau, votre caractère sera nouveau, votre disposition sera nouvelle. Et votre approche à la vie sera quelque chose de nouveau, une nouvelle vie à vous, une nouvelle direction, une nouvelle attitude, un nouveau comportement, un nouveau style de vie, une nouvelle conversation. Une nouvelle loi, un nouvel amour, la loi d'or, la règle d'or, faire aux autres ce que tu veux que l'autre vous fasse, être très méditatif, vos actions très prudentielles, vos comportements très prudentiel, votre relation, tout ce que vous êtes scandaleux, vous ne le ferez pas, vous ne le ferez pas aux autres. Appréciez les autres. Respectez les autres. Reconnaissez les autres. Ne soyez pas imbu de vous-même, en sorte d'oublier que les autres aussi ont l'émotion, ont le sentiment. Avec une vie changée, avec une vie repentie, vous pouvez maintenant demander au Seigneur comment vous voulez que votre vie soit dans ce nouvel an. Demandez. Et vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez. Et il vous sera ouvert. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Elles ne peuvent pas faillir. Ce que Dieu a promis de faire, il le fera.
Au nom de Jésus, nous prions. Enfant de Dieu, je dis au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur vous a exaucé. Et que le Seigneur rende toutes choses meilleures dans votre vie et dans votre famille au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur fasse de vous un faisceau de lumière à son peuple. Là où les choses étaient en bas, vous serez maintenant en haut. Là où les choses étaient brisées, le Seigneur va vous rebâtir. Un nouveau progrès pour toute famille. Une nouvelle joie dans chaque vie. Une nouvelle réalisation dans la vie au nom de Jésus-Christ. Toute votre amertume se changera en douceur. Toutes mes amertumes se changeront en douceur. Dans cette nouvelle année, ce nouvel an sera, cette nouvelle année sera la meilleure année de votre vie. Vous êtes là pour la bénédiction, pour le miracle. Vous êtes là pour la puissance. Vous êtes là pour le renouvellement. Vous êtes là pour le réveil. Où êtes-vous? Amen. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions parce que nous savons que tu as un bon plan pour tout le monde, une bonne attente pour tout le monde. Seigneur, nous savons que ton plan, que rien ne peut le révoquer. Ton projet, que rien ne peut le réfuter. Nous savons que tout ce que tu as projeté, que tout ce que tu as ordonné de faire dans chaque vie, que aucun diable, aucun Satan, aucun démon, aucune puissance des ténèbres ne peut le révoquer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour chaque frère, chaque sœur. Je prie pour chaque garçon, chaque fille. Je prie pour chaque jeune, chaque élève. Je prie pour chaque mari, chaque femme. Et même pour les frères et sœurs célibataires qui espèrent avoir un bon mariage. Je prie que leur attente soit satisfaite, accomplie au nom de Jésus-Christ. Je prie que tout ce qui est du négatif se transforme en positif. Que toute la tristesse du passé, que toute la souffrance du passé, que toute la pression du passé, que toute la persécution du passé, Seigneur, je prie que tu enlèves tout au nom de Jésus-Christ. Tu as promis à ton peuple tes promesses auxquelles ton peuple s'attache et qui ne sont pas accomplies. Je prie, Seigneur, voici l'année de l'accomplissement, l'année de revêtement. C'est l'année de renforcement. Et je prie, Seigneur, que tout ce qui s'est tenu sur la voie de ton peuple, et que tu les enlèves, que tu les détruises, que tu les balais au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que la joie à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait la paix à partir de ce jour, qu'il y ait la réconciliation dorénavant. Je prie qu'il y ait la guérison pour ceux qui sont malades, qu'il y ait la délivrance pour ceux qui sont opprimés, que tu brises toujours dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que la lumière de ton peuple brille, que toutes les ténèbres se dissipent, que toute la tristesse se dissipe. Et je prie, Seigneur, au-delà de leurs prières, au-delà de leurs attentes, au-delà de leurs forces, au-delà de leur habileté, que tu ouvres les écluses des cieux et que tu fasses pleuvoir sur ton peuple au nom de Jésus-Christ.
ceux qui ont péché et qui s'en sont repartis, je prie que tu leur pardonnes. Que la joie du pardon, que la joie du salut soit pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Tous nos frères et sœurs, dans chaque localité, dans chaque pays, dans chaque région, dans chaque commune, dans chaque préfecture, partout, ceux qui sont en ligne, pour tout le monde, qu'il a des bénédictions spéciales, des miracles spéciaux, qu'il a eu depuis la puissance spéciale, qu'il y a un renforcement spécial accordé à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Je prie que tout le monde ici, tout le monde là-bas, tout le monde ici dans l'état d'Ondo, tout le monde dans tous les états du Nigeria, tout le monde dans tous les pays, j'ai pris une nouvelle vie cette année à vous. Une nouvelle puissance cette année à vous. Une nouvelle réalisation cette année à vous. Je prie, Seigneur, que toutes prières que ces gens ont ouvert la bouche pour t'adresser, je prie que tu les exauces au nom de Jésus-Christ. Confirme la bénédiction maintenant. Comme nous allons rentrer chez nous après l'étude biblique, nous allons rentrer avec joie, nous allons rentrer chez nous avec les prières exaucées, nous allons rentrer chez nous avec vitalité, nous allons rentrer chez nous avec force, et tu vas nettoyer la voie pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse votre sortie, qu'il bénisse votre entrée, que le Seigneur vous fasse marcher, piétiner les serpents et les scorpions, et aucun pouvoir maléfique ne s'approchera de votre maison. Vous serez réalisateur, vous serez champion, vous serez héros, vous serez la tête et non la queue au nom de Jésus-Christ. Pour vous, cette année, c'est votre année de réalisation, votre année de joie, c'est votre année d'accomplissement. C'est fait. C'est accompli. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions.